Comment calculer son cycle menstruel? Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en quelques minutes comment calculer ton cycle menstruel et comment connaître la date de tes prochaines règles. Le cycle menstruel n'est pas le nombre de jours durant lesquels tu vois tes règles. Il ne dure pas 2, 3, voire 4 ou 5 jours. Le cycle menstruel est le nombre de jours entre deux périodes de règles. Il commence le jour où tu vois tes règles jusqu'au jour avant la période des règles suivantes. Prenons un exemple sur un calendrier de juillet. Le mois de juillet compte 31 jours et supposons que ta période de règles commence le 3 juillet. Donc, le 3 juillet sera le premier jour. Le 4 sera alors le deuxième jour, le 5 le troisième jour, le 6 le quatrième jour et le 7 le cinquième jour. Là, ta période est finie. Puis ensuite, après une certaine période de temps, tu revois tes règles le 29 juillet. Donc, le 29 juillet sera le premier jour de ton cycle menstruel suivant. En résumé, on comprend que pour calculer ton cycle menstruel, il te suffit de prendre le premier jour de ta période de règles, dans l'exemple le 3, jusqu'au jour avant la date de ta prochaine période de règles, qui correspond dans l'exemple au 28. Maintenant, calculons dans cet exemple la durée du cycle menstruel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Il s'agit d'un cycle menstruel qui dure 26 jours simplement parce que la prochaine période de règles est apparue le 29 juillet. La durée du cycle menstruel varie d'une femme à l'autre. Un cycle menstruel compris entre 21 et 35 jours est considéré normal. Par contre, un cycle menstruel inférieur à 21 jours ou encore un cycle supérieur à 35 jours est considéré anormal. Dans ce cas-là, il serait nécessaire de consulter un médecin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et à la prochaine sur Full Médecine.